Voici l'énorme somme que touche l'État sur le contrat de Kylian Mbappé. Sur une moyenne de 210 millions d'euros bruts par an environ, lissés sur 3 ans, le Parisien calcule que l'État français récupère 170 millions d'euros par année de contrat de Mbappé au PSG. Avec un taux moyen d'imposition de 45% auquel il faut ajouter 4% de contribution sur les hauts revenus, le fisc empoche autour de 90 millions d'euros. Kylian Mbappé est aussi soumis à des cotisations salariales prélevées sur la rémunération brute. Elles sont estimées à un peu moins de 12% par le Parisien, soit environ 25 millions d'euros par an en moyenne que le club parisien prend à sa charge pour le compte de Mbappé. Ce qui donne un salaire net d'environ 95 millions d'euros pour Kylian Mbappé après prélèvement, mais l'État empoche également les cotisations sociales versées par l'employeur, un peu plus de 55 millions d'euros avec les cotisations salariales. Ce sont donc pas moins de 80 millions d'euros par an qui viennent remplir les caisses des organismes sociaux. Et enfin pour finir, si Kylian Mbappé va au bout de son nouveau contrat avec le PSG, il touche 630 millions d'euros bruts.